Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 23 août 2020, 20h49, heure du Québec, avec une histoire assez surprenante. Dimanche dernier, pas aujourd'hui, mais il y a une semaine, on avait, imaginez-vous, un astéroïde de la taille d'une voiture nouvellement découvert qui venait de faire le survol le plus proche de la Terre sans toucher notre planète et a même pris la NASA par surprise. L'astéroïde effectue le survol le plus proche de la Terre enregistré et la NASA ne l'a pas vu venir. Donc, ce n'est pas trop encourageant et ce n'est pas trop sécurisant. Le dimanche 16 août 2020, la semaine dernière, l'astéroïde initialement étiqueté ZTFODXQ est maintenant officiellement connu des astronomes sous le nom de 2020 QG, a plongé vers la Terre à seulement, imaginez-vous, 2950 km. C'est rien du tout, cela. Cela donne à cet astéroïde le titre de survol d'astéroïde le plus proche jamais enregistré et qui ne s'est pas terminé avec la disparition de la roche spatiale. C'est l'astéroïde le plus proche connu et sans impact, ont déclaré des responsables de la NASA dans la vidéo ci-dessus. Je vous laisserai le lien de la vidéo. Dans la boîte de description, le survol rapproché a également été rapide, alors que 2020 QG a plongé près de la Terre à une vitesse fulgurante de 27 600 milles à l'heure ou 44 400 km/h. L'objet a à peu près la taille d'une voiture compacte et peut être peut-être environ de 3 à 6 mètres de diamètre. Selon le Mirror Planet Center de l'Union astronomique internationale, 2020 QG a survolé l'océan Pacifique à l'extrême est de l'Australie lors de son approche pour explorer l'astéroïde Casse-Cou par vous-même. Vous pouvez consulter le navigateur de base de données pour petit corps du Jet Propulsor Laboratory de la NASA. Le lien est là, donc je vous laisserai le lien de l'article, puis vous retrouverez tous ces liens. On voit l'astéroïde qui s'est approché de la Terre. Wow! Le plus proche jamais enregistré. Le survol n'était pas prévu et en a pris beaucoup par surprise. En fait, l'observatoire Polomar a détecté l'astéroïde à zoom que 6 heures environ après l'approche la plus proche de l'objet. L'astéroïde s'est approché sans être détecté de la direction du Soleil. Nous ne l'avons pas vu venir. L'approche d'hier est la plus proche jamais enregistrée si vous ne tenez pas compte de quelques astéroïdes connus qui ont réellement eu un impact sur notre planète, a déclaré Paul Kodas, directeur du Center for Near Earth Object Studies de la NASA. Et bien sûr, la question suivante est de savoir, quand un survol aussi inattendu va s'écraser sur la Terre, il ne reste que quelques mois à ce surprenant ou à cette surprenante année 2020. J'ai reçu d'un abonné un lien aussi sur la même histoire et qui est très intéressant. Lui de Nouméraman et qui nous dit pourquoi la trajectoire de l'astéroïde qui a frôlé la Terre dimanche est-elle courbée? Le fameux astéroïde 2020 QG a frôlé la Terre ce dimanche, le 16 août 2020. Les situations de son passage montrent qu'il a suivi une trajectoire courbée. Comment expliquer ce phénomène? 2 900 km, c'est la distance qui séparait 2020 QG de la Terre ce dimanche. Où on parle de dimanche dernier, 16 août, lorsque l'objet est passé au plus près de notre planète, cet astéroïde de 3 mètres de large s'est approché sans représenter un danger. Sa trajectoire dans le voisinage de notre planète a été illustrée dans plusieurs simulations du Centre des planètes mineures et de l'astronome amateur Tony Dunn. Ces représentations permettent de constater que la trajectoire de 2020 apparaît courbé lorsque l'objet frôle la Terre. On aurait pu s'imaginer, par exemple, que l'astéroïde suivrait une ligne droite, comme l'explique le médiateur scientifique Pierre Henriquet à Numérima. C'est la gravité qui déforme la trajectoire de l'objet. Ces trajectoires sont appelées coniques. Cette situation n'est pas uniquement valable lorsqu'un astéroïde s'approche un peu trop près de notre planète. N'importe quel corps, planète, lune, étoile, exerçant une gravité, déforme la trajectoire des corps qui passent à côté, plus ou moins en fonction de leur masse. Ajoute le médiateur scientifique, la déformation de la trajectoire du corps est différente en fonction de la masse de l'objet qui exerce sa gravité à vitesse initiale identique et à distance égale. Plus l'astre à côté duquel l'astéroïde passe est massif, plus sa trajectoire est courbée, nous dit le spécialiste. Dans le cas de 2020 QG, cet événement a clairement entraîné une déformation de son orbite. Dans un communiqué, la NASA mentionne que, d'après ses calculs, la trajectoire de l'objet s'est inclinée de 45 degrés lors de son passage près de la Terre, selon les indications du Jet Propulsion
Laboratory. L'objet a normalement une période orbitale d'environ 990 jours. La durée qu'il met pour faire un tour autour du Soleil, son approche de la Terre, pourrait avoir amené cette période orbitale à 964 jours. La déformation des trajectoires sous l'effet de la gravité d'un corps est un phénomène bien connu, très utile dans le domaine de l'exploration spatiale. Il est utilisé par les sondes spatiales pour se propulser dans le système solaire sans dépenser de carburant, en se servant de la gravité des planètes comme fronde pour accélérer ou décélérer, résume Pierre Henriquet. L'accélération permet d'explorer le système solaire externe, tandis que la décélération facilite l'exploitation du système solaire interne, comme c'est le cas avec la sonde BepiColombo, chargée d'explorer Mercure. Wow! Vraiment, vraiment intéressant. Je vous laisse les liens dans la boîte de description. Intéressant, mais inquiétant. On en manque de ces objets dangereux. Hein? Quand va-t-il se produire un événement tragique qu'on n'aura pas prévu, mais même de toute façon, si on pouvait le prévoir, on ne pourrait pas le prévenir de toute façon. Je vous reviens.